Sur cette photo, c'est une serre de chrysanthèmes, de chrysanthèmes blancs, euh, les chrysanthèmes à l'ancienne, c'est-à-dire que l'on pinçait euh, fleur par fleur pour parvenir à une seule fleur de chrysanthème plutôt que de multiflorme comme c'est à la mode maintenant. Donc c'était toute une technique très particulière et les Tobies étaient très forts pour arriver à des fleurs magnifiques. Euh, qui avait une certaine euh, réputation. Donc là, on les voit très bien, ces chrysanthèmes blancs. On voit sur, sur le côté aussi d'autres chrysanthèmes, d'autres couleurs, et qui semblent plus multiflores, comme on les appelle. Donc c'est une des serres de l'établissement Toby. Il y en avait des dizaines, hein, euh, euh, au plus fort de l'activité, qui étaient répartis de chaque côté d'une grande serre-couloir, donc desservie par une serre centrale. Et cet établissement Tobie a été créé dans les années 25 par Hippolyte et Marie Tobie, qui étaient deux jeunes orphelins qui se sont trouvés, qui se sont mariés et qui ont travaillé très, très, très dur pour faire cet établissement Tobie, qui est devenu quand même un fleuron de l'horticulture nantaise et même française. On peut emprunter ce petit chemin qui existe toujours, mais qui n'a rien à voir avec le. Donc on aperçoit de l'autre côté la, la rue de la basse c'était là qu'aboutissait cette allée où rentraient et sortaient les camions. Au milieu, il y avait une très grande serre, la serre où on emballait les plantes. Elle, elle reliait les deux blocs de serre de chaque côté. Elle était donc au milieu de l'allée. On, on pouvait rentrer d'un côté et ressortir de l'autre. Donc sur chaque rue, c'était des services pratiques. Ça, on peut encore l'imaginer parce que la rue existe, l'avenue la, du Guy et l'avenue des Druides. Ce qui a été le plus dur, je pense, c'était de mettre leur terrain aux normes horticoles. Et là, ils ont beaucoup apprécié l'aide de leurs voisins maraîchers, qui ont été vraiment très, très gentils avec eux et qui, en particulier, leur ont prêté un cheval, ce qui était un véritable trésor pour les aider à tous les travaux qu'ils avaient à faire. Alors, c'était une terre qu'ils avaient fabriquée, hein. c'était une terre qu'ils avaient travaillée. Il ne faut pas croire que ça se fait tout seul. Hein. Il faut à la fois qu'elle soit souple, donc un petit peu de silice, un petit peu de sable, euh, de la terre euh, de terreau, c'est-à-dire riche, et puis de la terre un petit peu argileuse, parce qu'on a besoin d'argile pour garder l'eau, donc ça se travaille tout ça. Et ça, c'était leur, euh, leur métier. Quoi. Donc, en fait, il y avait deux types de cultures la culture de pleine terre et la culture en pot. Alors des pots qui pouvaient rester sous abri simplement, mais d'autres qui avaient vraiment besoin des chaleurs de la, de, la chaleur de la terre, surtout quand elles étaient jeunes, quoi, avant d'être vendues euh, adultes. Il y avait des centaines de variétés. C'était un voyage d'être dans les cerceauxiers. Hein. C'est-à-dire que euh, on avait les, nos, nos plantes euh, locales euh, connues de tous, mais aussi il y avait des, des, des dizaines de plantes dont, dont, dont moi je, je n'avais que je n'avais jamais vu et dont je ne connaissais pas le nom. Il y avait une grande serre tropicale où arrivaient des, des plantes des tropiques qui étaient impressionnantes. Cette serre-là était magnifique parce que c'était des immenses plantes. Et euh, moi, j'ai un souvenir très agréable de mes promenades dans les serres avec ma belle famille parce que j'aimais l'odeur j'aimais le travail qu'on y faisait c'est une odeur très particulière une ambiance très particulière très chaude un peu difficile à, physiquement à supporter pour les gens qui travaillent c'est certes mais quand on s'y promenait c'était très très agréable c'est à la fois un sous bois hein, ça te sent la mousse ça, ça sent ça sent la production florale quoi on a l'impression qu'on sent les plantes pousser moi j'étais moi qui aime les plantes j'adorais ça quoi je me souviens aussi de la salle d'emballage avec une dame, je crois, qui s'appelait Madame Roturo, de la rapidité à laquelle elle emballait les plantes dans des espèces de cylindres en papier qu'elle faisait qu elle-même. Elle faisait, elle elle faisait peut-être, je sais pas, 100 plantes à l'heure pour les emballer et les préparer pour les camions et les livraisons. Moi, j'étais admirative. C'était vraiment de la... Je me souviens aussi de la personne qui s'occupait de l'entretien, je crois, qu'il s'appelait Monsieur Landais. Et qui entretenait techniquement, pas, pas, il ne faisait pas d'horticulture lui. Mais il y avait toujours un appareil à réparer, une toiture, à, une serre à, à améliorer. Il était toujours, toujours sollicité ce monsieur, je me souviens de ça. Et alors la troisième sortie, elle, elle existe toujours. Elle donne sur la rue Jean-Jacques Dubon et il n'y a plus le portail, mais il y a toujours le, la sortie. Donc ça c'est resté là-bas. Ici, ben, à la place des maisons, c'était des serres, des serres, des serres partout. Et là-bas, euh, toute la partie technique, terre fabrication terreau, euh, euh, enfin, euh, là il n'y a plus rien. Et à cet emplacement-là, du côté de la rue Jean-Jacques Audubon, c'était de la pleine terre avec des bruyères à perte de vue. À cette saison-là, c'était magnifique. Dans cette serre, ce que l'on voit là, ça donne une impression d'unité, mais pratiquement à chaque tête ou presque à chaque, on va dire, correspond à un pot de fleurs. Donc, on, on a d'abord bouturé. On a rempoté dans des petits pots, on a encore rempoté dans des plus grands pots, après on a pincé, c'est-à-dire qu'on a travaillé chaque pot, enfin chaque, chaque plante dans chaque pot, et puis on a mis dans les pots définitifs qui vont être vendus au graintier. Et là, ce qu'on voit, à mon avis, c'est une serre qui est prête à la vente, puisque les, euh, les têtes sont bien épanouies, pas trop, il faut aussi qu'elles soient encore euh, bien, bien vivantes, bien jeunes, quoi. on voit qu'elles sont vigoureuses et prêtes à vendre sûrement. Je crois, si j'en juge ce derrière, ça doit être l'année 52. Donc l'établissement du Vieux-Doulon avait 7 ans. Alors, ça, c'est une serre de chrysanthème, mais on devait avoir des serres de géranium, on devait avoir les serres de guégonia, on avait les serres de toutes les, toutes les autres variétés. Elles étaient toutes spécifiques. Quoi. Oh, alors il faisait euh, entre, 26, on va dire entre 26 et 32 degrés. C'est chaud. Hein. Et c'est très chaud. Et il fallait, alors ça, moi j'y ai participé, pour me faire des sous, euh, quand j'étais étudiante, j'ai chaulé les serres. C'est-à-dire qu'on peignait en blanc. Pour estomper le, la puissance du soleil sur les vitres, on chôle, c'est-à-dire qu'on passe de la chaux. C'est un terme qui doit avoir disparu complètement de la, du vocabulaire français. C'est invivable autrement, c'est intenable. Les, les plantes auraient crevé sous les rayons du soleil euh, filtrés par une, une vitre, c'est terrible. On ne s'en rend pas compte là, mais en fait, c'est pas transparent. Le vi Les vitres sont chaulées, on appelait ça chaulés. On était sur des échafaudages et on avait des gros rouleaux et on passait la chaux. Il euh, n'y a rien d'extraordinaire à faire, sauf que c'était fatigant quand même. <laughs> à la place de l'établissement, du... ce sont des maisons et du béton. On n'a aucune... plus rien, quoi, aucune trace de, de l'établissement. Et c'est comme ça aussi. Du... Euh... Le sort des, des tenues maraîchères aussi, c'est devenu un ben, chenec quoi. Il n'y a plus rien. Mais c'est le drame que faire. Hein. C'est un véritable dilemme entre gérer la ville et son expansion, et les gens qui arrivent tous les ans, tous les ans sur Nantes, et puis, et puis des terres qu'on voudrait conserver. Et je trouve très bien l'initiative de garder les fermes urbaines. Là, c'est quand même une... Je pense que avec le recul, peut-être que certains établissements auraient été sauvés si on avait eu ce, cette idée-là, il y a quelque temps. Mais on n'avait pas conscience, peut-être, de, de l'enjeu.